Bonsoir, on se retrouve en compagnie de Lambert Hamon en ce début de semaine avant le premier quart de finale de play-off. Lambert, depuis la Coupe de France, on a enchaîné sur deux victoires en championnat. Comment vous avez préparé un petit peu là depuis cette belle victoire ? Bah, depuis la Coupe de France, on s'est plutôt bien préparé. On a quand même une semaine de repos après le week-end à Carpentier. Donc je crois que ça a fait du bien à tout le monde, un peu de respirer, de profiter de tout ça. Et c'est vrai que les deux victoires juste après, pour finir cette fin de saison régulière contre Épernay et Caen, nous font du bien et nous font attaquer les playoffs en bonne dynamique. Deuxième question, Lambiche. Cette année, les playoffs, le quart de finale va se jouer en 3 matchs, donc 2 matchs gagnants. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre préparation physique ou préparation mentale ? Alors non, je pense pas qu'on ait changé quelque chose dans notre préparation physique et mentale. De toute façon, quand on commence les playoffs, il faut les commencer à fond jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que c'est un peu plus flexible cette année avec ces quarts de finale et ces demi-finales avec deux matchs gagnants. L'an dernier, on a perdu sur un match qu'on a complètement raté à Amiens et ça nous a tué notre saison. Donc cette année, je pense que c'est la bonne formule. Lambert, dernière petite question. Donc ce quart de finale, ça va jouer contre Paris. Le premier match, ça va se jouer là-haut. Comment vous abordez un petit peu ce match ? Bon, on l'aborde confiant, parce que avec les derniers matchs qu'on a fait, on peut être que être confiant. Après, c'est vrai qu'à Paris, à domicile, contre Paris à domicile, on a perdu. Donc, je pense qu'on a une belle revanche à prendre. Et le match retour là-haut était très, très délicat. On a gagné d'un but, il me semble. Donc, ça va être des gros, gros quarts de finale. Et puis, à nous de montrer ce qu'on sait faire. Merci, Lambert. Merci à vous.